Salut! In today's video, you're going to learn some easy things that you can do to help the environment. Bonjour, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belle Terre Academy. And today, I have the pleasure of being with... Sylvain Horry, I'm the founder of CQEO. Très heureuse d'être avec vous et de vous faire partager une de mes plus grandes passions qui est l'écologie. Alors du coup, explique-nous, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'écologie? Le recyclage des déchets organiques, particulièrement à la maison, quand on n'a ni le temps, ni l'espace, ni d'expertise en compost, s'avère être un vrai challenge tout simplement parce qu'on ne nous donne pas les moyens. Par exemple, toi Rachel, est-ce que tu recycles? Oui. Je pense que tout le monde le fait sans trop y penser. Et pourquoi pas faire de même le triage pour les déchets organiques? Bah, génial. Et du coup, comment tu as pu approfondir tes connaissances écologiques? Alors, je suis ingénieure de base. J'ai toujours une grande curiosité pour tout ce qui est environnemental et de résoudre des problèmes difficiles. Alors, je me suis mise à rechercher sur le sujet du compost et à être amenée à discuter avec les scientifiques et d'autres experts dans le domaine. Quels étaient les paramètres nécessaires qui permettent de faire un compost de manière plus efficace et surtout qui ne dégage pas d'odeur insupportable à la maison. Petite pause, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Merci. Alors du coup, quelles sont les petites choses qu'on peut faire à la maison? Mes astuces écolos sont généralement très pratiques et très simples. Par exemple, je conseille de réduire le gaspillage alimentaire et de se faire réduire les déchets organiques vers la déchetterie. Pour cela, j'ai une méthode très facile à retenir qui est le PPRC. Planifier, préparer, ranger et chiner. Dès qu'on va faire ses courses pour la semaine, il faut tout simplement planifier combien de repas sera fait à la maison ou en resto. Quelles sont les quantités nécessaires pour les ingrédients, etc. Tout en évitant le surplus alimentaire. Ensuite, préparer les aliments dès qu'on arrive chez soi. Cela dépendra de chaque fruits et légumes, comment les préparer pour les ranger en fonction pour que ça reste frais et ne périme pas trop vite. Finalement, chiner, pour moi, ça veut dire trouver les ingrédients dans son frigo et de créer une recette en fonction avec un peu d'imagination au lieu d'acheter de nouveaux ingrédients. Chiner, je suis prof de français, elle m'apprend un nouveau mot, chiner. En plus, je fais ça tout le temps quand je cuisine, je ne savais pas que c'était, je me disais, mais mon mari a joué, il me dit, mais... Comment tu crées quelque chose de rien? Il me dit j'ai rien à manger et tout. Je dis bah si, il y a plein de trucs à manger. Et puis je prépare un truc, il me disait ah ouais. Et je savais pas que c'était chiné. Donc merci de m'avoir appris un nouveau mot. Il y a pas de quoi. Donc faut dire, j'adore te suivre sur Instagram, mais j'aimerais que tu nous parles un peu plus également de ton entreprise, s'il te plaît. Oui, alors CQEO est une entreprise qui fait le design de compost d'intérieur. CQEO veut dire vert en langue laotienne, qui est la langue maternelle de ma mère. Elle a une très grande influence écologique sur moi. C'est une grande jardinière et m'a beaucoup appris sur les petits plaisirs de la vie, comme manger sainement et faire attention au gaspillage. J'ai fondé CQEO pour pouvoir créer un design innovateur de compost d'intérieur avec respect de l'environnement et de démontrer que c'est possible de composter dans son appart sans odeur désagréable. Alors du coup, comment on peut avoir plus de conseils et de soutien pour de l'aide écologique? Plus de conseils et même de soutien dans votre chemin pour une vie plus saine et écologique, vous pouvez vous inscrire à CQEO.com, qui est S-I-K-H-E-O.com, et nous suivre sur Instagram et Facebook CQEO Home. Nous vous offrons le guide de compost en appartement, mais il n'existe qu'en anglais pour l'instant. Guys, if you enjoyed this video and if you got value out of its content, make sure you give it a thumbs up and please comment on what you'd like to see next on this channel. I'd also love for you to ask her questions so that she can answer you. À bientôt les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.